Coucou, hello à tous, bonjour, bonjour, un gros plan face caméra, tac, bim, Aurélie, en gros plan, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne Happy Coach dédiée au Pilates, au yoga et à la méditation. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo qui a été fort demandée, qui a été très attendue, c'est la salutation, pardon, à la lune, Chandra Namaskar. Vous connaissez la salutation au soleil si vous me suivez depuis un certain temps ou peut-être que vous me découvrez pour la première fois. Et donc j'ai une vidéo qui circule depuis un certain temps, qui est la salutation au soleil. Il en existe trois différentes, salutation A, B, C. Ici, salutation à la lune. Et pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Voilà. Donc c'est une salutation que vous pouvez faire le soir, qui est vraiment idéale pour une pratique douce le soir. Salutation à la lune, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide. Beaucoup plus détendu. Il faut vraiment que le flow il soit lent et que vous laissiez bercer par ce flow de lenteur et vous appréciez vraiment toutes les postures sans forcément chercher à faire quelque chose de très aligné, d'accord, de très tenu. Essayez vraiment de respirer, de vous détendre. Une salutation à la lune douce. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? De votre tapis, voilà, d'un petit peu de temps. Un petit peu de calme et puis c'est parti, on y va ensemble. N'hésitez pas à lire la description de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à faire tourner autour de vous pour partager de bonnes vibrations. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Puis lisez un petit peu, il y a voilà un petit texte voilà, sympathique. On y va ensemble, donc on se place sur son tapis. Je vais me mettre de ce côté, du côté droit de mon tapis. Donc je vais me placer dans cette première posture. Les pieds sont joints, les bras le long du corps, les paumes de main bien ouvertes, le visage détendu. Donc essayez de trouver le calme, la stabilité, de sentir vos pieds s'enraciner au sol et le sommet du crâne étiré vers le ciel. Corrigez légèrement votre posture du dos. Si vous êtes cambré naturellement, rétroversez le bassin. Placez une douce respiration par le nez. Et quand vous sentirez prêt, ouvrez vos paupières si elles étaient fermées. Et inspirez en étirant les bras vers le ciel. Les paumes de main se touchent. Allongez les bras au plus haut. Puis inclinez ici dans une demi-lune. Le buste vers la droite. Sentez les pieds enracinés au sol. Le corps s'allonger. Ici, toute cette zone-là s'étirer. On va rester à chaque fois plusieurs cycles respiratoires pour que vous puissiez aussi apprendre et garder en tête toutes ces postures. On va faire un grand pas en ouverture, jambe gauche, et on va fléchir les jambes pour installer la posture de la déesse, les mains en cactus. Donc les coudes à hauteur des épaules, pardon, les doigts bien ouverts. Vous descendez le bassin, toujours en limitant la cambrure. Vous êtes dans la posture de la déesse. N'hésitez pas à chauffer un petit peu les muscles en bougeant vos jambes si vous voulez. Respirez. Ensuite, on va fermer le pied gauche. On va tendre la jambe droite pour installer la position du triangle Trikonasana. Donc, je pose la main sur le tibia, j'allonge le bras gauche vers le ciel. Je cherche à ouvrir le cœur. Les deux jambes sont tendues. Regardez à l'horizon, Trikonasana, le triangle. Ok, on va encore fermer un petit peu les hanches. Ramenez le pied encore plus à l'intérieur dans le même axe du pied droit. Et vous relâchez. Inspirez, étirez les bras, expirez, relâchez, buste sur jambe. Ne gardez pas la hanche gauche ouverte, les hanches voilà, se referment, sont dans le même axe. Fléchissez légèrement le genou avant pour dégager un tout petit peu plus loin le pied arrière. Posez votre genou, levez les bras vers le ciel et inspirez. Anjaneyasana. Pensez à allonger les bras plutôt que ici partir vers l'arrière. Protégez d'abord votre dos dans une fente basse. Ok. Tendez la jambe arrière puis venez ici face à moi dans la position skater. Flexion sur la jambe droite, extension sur la jambe gauche, changez de côté. Ça va craquer. Ok, super.
On tourne du côté gauche pour reposer le genou arrière, donc le genou droit sur le sol. Inspirez, montez bras vers le ciel. Fente basse. Allongez le corps, étirez, étirez. Posez les mains sur le sol, tendez la jambe arrière. Resserrez légèrement vos pieds, les hanches dans le même axe, les pieds dans la même direction. Allongez le dos et relâchez buste sur jambe. Ouvrez le pied arrière et la hanche. Fléchissez légèrement la jambe avant. Posez la main sur le tibia. Allongez la jambe, puis étirez bras vers le ciel dans Trikonasana. Gardez le bras là, juste au-dessus de l'épaule. Très bien. Fléchissez la jambe avant. Revenez ici, en posture de la déesse. Respirez. Resserrez le pied droit vers la gauche. Allongez bras vers le ciel. Les pieds se resserrent. Étirez le buste vers la gauche. On recommence encore une fois. Oh oui! Ouvrez, jambe droite. Fléchissez vos deux jambes, les deux pointes de pied sur les extérieurs. Position de la déesse. J'ai le nez qui gratte. Très bien. Refermez le pied, allongez les deux jambes. Descendez mains sur le tibia. Trikonasana. Ça me gratte vraiment beaucoup. Oh. Refermez le pied, refermez la hanche. Allongez le dos, inspirez, puis relâchez buste sur jambe. Alignez le bassin. Fléchissez légèrement la jambe avant, éloignez un tout petit peu plus le pied à l'arrière. Posez votre genou, inspirez, montez bras vers le ciel. Anjaneyasana. Décollez le genou arrière, revenez face à la position du skater. Peut-être que votre talon va se décoller du sol et c'est OK. On redresse, on change de côté. Tendez bien la jambe. Super. Tournez du côté droit dans une fente basse. Inspirez. Dans la hauteur. Inclinez ensuite si vous êtes à l'aise. Posez les mains sur le sol, resserrez vos deux pieds dans le même axe, relâchez buste sur jambe. Fléchissez la jambe avant, ouvrez le pied arrière, installez-vous tout doucement dans le triangle. Fléchissez, position de la déesse. Resserrez vers la gauche, bras vers le ciel, vers la droite, pardon, bras vers le ciel. Et terminez par une inclinaison côté droit. Revenez au centre, inspirez. Et relâchez, bras le long du corps, expirez. Donc on a fait un aller-retour. Ok? Donc ça, c'est la composition de votre salutation à la lune. Chandra Namaskar. Dites bonjour à la lune. Un enchaînement fluide, il faut que ce soit doux. Cherchez pas forcément à plier fortement dans la déesse, à descendre au plus bas. Juste de la fluidité, être dans l'instant présent, se connecter à son corps, laisser le s'ouvrir, vraiment en étant le plus doux. Parce que j'espère quand même qu'il y a des messieurs qui pratiquent la salutation à la lune. Voilà. Si vous aimez pratiquer le yoga et que vous voulez terminer votre journée par quelque chose de doux, eh bien faites des salutations à la lune. On a fait un aller-retour. Vous pouvez faire cette salutation à la lune autant de fois que vous le désirez. Cette vidéo est courte, tu vas te dire, mais c'est déjà fini. Est-ce que vous voulez qu'on le refasse encore une fois en amenant plus de fluidité? Normalement, le public en délire, vous faites « Oh oui! Oh oui! Vas-y Aurélie, donne-moi la salutation à la lune !» Alors, on y va ensemble. Allez. T'as cru que j'allais couper, t'as eu peur. Installe-toi. Donc tu vois, j'utilise vraiment toute la longueur de mon tapis. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez.
Je dis plus rien. Je vis l'instant. Je réfléchis. Je pose mon genou arrière. J'inspire. Je reviens face, skater. De l'autre côté. Je reviens en fin de basse. Je décolle mon genou, je rapproche mon pied, je ferme les hanches, j'ouvre un peu le pied, je reviens face dans un beau triangle. Je fléchis un peu ma jambe pour revenir en déesse. Je referme du côté gauche, bras vers le ciel et inclinaison. Bras le long du corps, relâchez. On refait ça, inspirez. Étirez. Ouvrez. Triangle. Refermez. Allongez. Étirez. Posez le genou. Inspirez. Revenez face. Skater, on peut mettre les mains au sol si c'est plus confortable pour vous. Regardez à l'horizon. Gardez les mains au sol. Changez de côté. Fente basse, inspirez, posez main au sol, refermez légèrement les pieds, relâchez la tête, tournez le pied, installez Trikonasana, ouvrez la déesse, deux pieds ouverts, les mains cactus, resserrez vers la droite, inspirez et inclinez, expirez. Revenez au centre et relâchez les bras le long du corps. Namasté. Chandra. Namaskar. Salutations à la lune. Check. Voilà. Cette vidéo, vous l'avez attendue. Eh bien, Aurélie l'a fait. Quand vous voulez, Aurélie fait. N'hésitez pas à chaque fois à me laisser des petits commentaires sous les vidéos. Je viens les lire, même si je ne réponds pas tout le temps. Je lis vos commentaires, ça me permet d'avancer un petit peu sur la chaîne YouTube, de vous partager du contenu qui vous intéresse. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui circulent aussi sur Instagram, sur Facebook, à aussi vous, voilà, vous faire plaisir avec les programmes 28 jours pour soi qui sont toujours disponibles et en ligne. Vaincre le stress, booster son énergie ou méditer en 28 jours pour soi, tout est dans la description. Allez-y, cliquez, cliquez, partagez, je vous embrasse fort et je vous donne rendez-vous pour une prochaine, mardi prochain, tous les mardis, 18h, notre petit rendez-vous. Ne loupez pas, faites des salutations, saluez le soleil, saluez la lune, saluez votre voisin, saluez-vous tous les jours. Moi, je vous salue. À bientôt. Bye.